Salut, salut à tous, en direct de la Sarthe, URT Team Channel pour vous commenter cette nouvelle vidéo en groupe 3. Alors, 16 participants, il me semble, au départ. Ça va bientôt décoller, là. Et ça y est, c'est parti. Voilà, à l'avant de la course, Thierry en tête, très bien parti. Suivi de Fabio, Fred, Loul, Le Mans, Jeremel, Rémi, Lyril. Ah, Thierry avec son Audi. Là. Ensuite, Fred en deuxième position avec la Nissan GT-R. Suivi de Rémi avec la Porsche, Fabio, Le Mans, Catman. Lyril, c'est très serré. Ouais, Lyril qui a pris la Ford. Jérémy, Chavo. Chavo avec son Audi. Eric, Lin. Ensuite, Loul, Poi, Duke. Ah ouais, ça fait du beau monde. 14 participants, c'est pas 13. 16, c'est 14. On repart à l'avant de la course. Thierry qui a pris un petit peu d'avance là. C'est pas souvent qu'on vient sur la Sarthe, alors j'en ai profité pour vous la présenter quand même. Ça vaut le coup. Là on voit Thierry, tout en glisse avec l'Audi. Ensuite, oh Fred qui a dû faire une... Oh là là, Rémi qui va tout droit là. Non, qui a eu un souci, et c'est Fred qui est repassé, qui a repris sa deuxième place. Pour le moment il va bien Fred, mais je sais pas si ça va durer, c'est même pas trop le circuit. Fabio au troisième position, du coup Rémi a perdu une place. Alors à noter que Rémi fait plus partie de la team, c'était une ancienne vidéo, ça, enfin bon. C'est pas parce que lui fait plus partie de la team qu'il faut pas la passer, enfin, il faut pas la diffuser. Ensuite là on est sur Le Mans, avec sa Porsche, Eric, ça a pris large là. Oh là là, oui, puis il coupe Eric. Oh, pas trop réglo ça Eric. Ensuite on retourne sur Le Mans, Eric en nouveau. Ensuite derrière Chavo. Chavo suivi de Loul. Toujours fidèle à sa Lexus. Lin avec sa Corvette, Duke. Duke avec la Ford et Poi. Et... Ah là là, ça bouscule derrière, on a vu au loin. Thierry toujours en tête. Voilà Thierry. Lui conduit comme ça sur GT Sport, c'est sa vue. Moi j'ai essayé, perso je suis pas arrivé, mais enfin c'est pas grave. Ensuite nous avons Fabio derrière. Oh là là, Fabio il est parti tout droit. Rémi aussi, oh là là, oh, il y a eu un gros carnage là. Et du coup c'est Fred qui est repassé en deuxième position. Fred qui est repassé en deuxième position, suivi de Jeremy avec la Mercedes. Lee, Clafford, quatrième. Très belle course de Lee. Fabio, qui a pris 3 dixièmes avec la Mustang. Rémi avec la Porsche, suivi de Duke. Duke ne lâche rien. D'ailleurs, on a un bord de Duke là. Ah, il n'y a personne derrière Duke. Voyons voir comment il prend le serpentin. Ah, bien, nickel. Ensuite Catman, oh Catman il a perdu, hein. Il est loin. Et aux aguets, il y a Loul et Chavo qui arrivent. Loul, oh Loul, voilà, oh, Chavo est parti en glisse. Et du coup là, on profite pour passer Eric également. Chavo repart Le Mans juste derrière. Chavo juste avant-dernier. Poi a abandonné apparemment. Thierry
continue son petit bonhomme de chemin. Il a fait les corps. Ouais, il améliore de 3 secondes. Ah, Fred. Petite pénalité, mais il tient toujours la seconde place. Ah bien la GTR. Dans son moteur. Et on voit Lee au fond. Il a passé la chicane. Comment va-t-il passer la chicane? Ah là 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 là. Lee, bien joué. Et Fred en a profité pour recouper. Toujours deuxième. Oh, ça c'est une belle passe d'arme. Il lâche rien, lui. Hein. Là, on a au bord de la Ford. Pardon. Et il le passe. Ouais. Il va plus vite, lui. Freine plus tard. Ah, ça, c'est un beau dépassement. Et on voit derrière. Troisième Fred, quatrième Rémi. Très bien. Je pense que ça vous plaît, les changements de vue et tout. Si ça te ferait mieux. J'ai Remail un peu de distance aussi. Ensuite, oh là là, Fabio tout droit dans le sol. Catman qui en profite pour gagner une place. Fabio ressort. Mais Lou l'a passé. Eric aussi. Oh là là, il a perdu beaucoup là, Fabio. Oh, Lin. Lin est parti aussi. Et voilà le manque arrive. Ensuite, on repasse sur Thierry. Il y a 22 minutes de course. On en a 8 minutes bientôt. Et Thierry, il lâche rien, il est toujours devant. Il y a une certaine avance là ce coup-ci. Ah oui, Lee, il arrive seulement maintenant dans le virage. Suivi de Rémi, Fred. Fred ne lâche rien non plus, mais il lâche Rémi qui revient derrière très fort avec la. La Mercedes. Très belle course, hein. Propre. Des courses comme on aime. Catman, oh là là, c'est coupé. Il y a Catman Duke. Ah si, Poi est encore là. Ah, il me semblait que Poi était plus là. On va aller un petit coup sur Poi alors du coup. Ah, et 9ème Poi. De la TGA. Maintenant, il a changé de pseudo, c'est, il fait partie de la team TGA. Et Lou est juste derrière avec sa Lexus. D'ailleurs, on est au bord de la, on est à bord de la Lexus. Là. Fabio est assez distancé. Il y a pas mal de pénalités. Apparemment. Oh là là, il prend large. Oh là là. Mal pris là, le virage. T'as perdu beaucoup là. Fabio, belle livrée, hein, Fabio, faut reconnaître. Belle livrée à l'américaine. Et Chavo, 12ème. Très 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 loin, tiens. C'est pas dans ses habitudes. Le mort a gagné une place. Et là, l'un ne lâche rien, toujours 14ème. En IVRT, oh là là, puis l'un qui repart encore dans le sable.
Et voilà Thierry qui améliore encore son partiel. Mais là il a fait le trou. Hein. Oui, on le voit à peine au loin. Oh, il a au moins 200 mètres d'avance. L'Irid, pareil, il commence à faire le trou sur Rémi. Et Fred est en bataille avec Jeremy. Oh, et puis c'est Eric qui en profite. Non. Pas pour ce coup-là, pas pour cette chicane-là, Eric. Voyons voir là comme ça va faire dans le virage. Prends l'aspi Eric, malin. Ouais. Ah là là, oui. Fred a freiné beaucoup plus tôt. Oh là là, puis Jeremy. Il va en doubler d'un coup. Non, Jeremy, il se laisse pas faire. Et Fred se retrouve sixième. Attention, il est plus puissant, là, Eric. Ouais, il passe. Ouais, bien joué. Parfait. Rien à dire. Alors, on retourne sur Jeremy et Fred. Alors, Catman qui revient. Pour 8ème. Ah, c'est bien groupé, hein. Ils arrivent tous un petit peu en clan. Lou la peine distancé, puis alors un peu plus loin derrière, on a Fabio qui est 11e, Chavo 12e qui revient sur Fabio. Ensuite on a le mort avec sa Porsche. Et puis voilà Alain qui lâche rien, qui va passer. Oh là, si, il a beaucoup de retard là. J'ai cru qu'il avait moins de retard que ça, mais là. Mais même le dernier, il passe à l'écran. Pas de raison. On laisse personne indifférent. Attention, on va aller voir Thierry qui s'arrête au stand. Et du coup, Lee ne s'arrête pas. Ouais, il a encore des pneus, encore du carburant. Rémi s'arrête pas non plus. Catman. Duke. Bah Duke, c'est normal. Les quatre premiers, là. Ah, Thierry est reparti. Thierry repart 6ème. Fred 7. Ensuite Paul 8ème. Jeremy. Loul. Chavo 11ème. Fabio 12. Le Mans s'est arrêté. Et voilà là. Qu'est-ce que va faire Lana? Est-ce qu'il s'arrête? Mais on n'a pas vu. Oh, Rémi tout en glisse. L'Irid ne lâche rien. Ah, il l'empêche de passer. Voyons voir. Attention, Lee. Ah ouais, oh là là, mauvais joueur. Rémi, t'es vraiment un mauvais joueur. Voilà, bien joué. Bien joué, Lee. Bravo. Ah ben là, celle-là, fallait absolument que je la mette en ligne. Parce qu'au moins là on a vu vraiment la mauvaise foi de ce mec. Rémi.
tu mérites pas de rentrer dans une team, franchement. J'espère qu'il y aura beaucoup de joueurs qui regarderont cette vidéo. Là, il pousse encore Catman. T'as rien à foutre sur Gran Turismo, mon gars. Je vais t'enlever mes amis. Donc, Catman 3ème. Et Eric 4ème. Eh ben, j'ai bien fait de la choisir celle-là. 5ème Duke, 6ème Thierry. Si vous connaissez du monde quand vous regarderez cette vidéo, conseillez-le, parce que alors là ils vont voir un joueur qui a rien à foutre sur Gran Turismo. Fred 7ème, côte à côte avec Poy, avec la TGR Poy. Au moins là c'est réglo. Jérémy le 9ème, Loul qui a un peu de retard là. Il a peut-être mis trop de carburant, Loul. 11ème Fabrice, donc Chavo. Oh, puis il sort large, on a vu là. Fabio distancé. Le Mans dernier, mais qui lâche rien. Et on revient sur les rides. Ah, Lee va s'arrêter au stand. Il reste 6 minutes de course. Ça y est, Lee s'arrête au stand. L'autre con s'arrête au stand aussi. Et voilà, c'est reparti. Là, du coup, c'est Eric qui prend la première place. Oh là là, qui glisse, qui glisse, qui glisse, Eric. Qu'est-ce qu'il a fait? Et du coup, Thierry 5ème. Thierry 3ème. Donc là, on a 4 mains premier maintenant. Suivi d'Eric. Non, l'iride. Ah, il veut pas me prendre l'iride. Ah si, ça y est, il me prend l'iride. L'iride 3ème. Thierry 4ème. Duke 5ème. Attention Duke, t'as l'idiot derrière toi. Alors on va se remettre dessus au cas où il sorte. Ah, Poy 7ème. Ah, Poy est bien remonté, Jérém. Oh, Fred a beaucoup perdu, là, je vois. Il est passé derrière Chavo. Chavo 9ème. Pouh, il est où, Fred? Oh, Loul qui revient. Fabio, Le Mans. SC devant, j'aimerais bien avoir Catman. Catman toujours en tête. Ah, est-ce qu'il va avoir assez de carburant? 18 minutes. Il reste 4 minutes de course. Faire juste. Attention, Lee et Eric. Côte à côte. Eric, Lee. Lee, Eric. Pour le moment, c'est Eric qui prend le dessus. Et Lee croise. Oh, belle course, ça c'est une belle course. Attention la chicane. Et non seulement c'est une belle course, mais là au moins c'est propre. Bravo les gars. Thierry 4ème. Claudie qui revient doucement. Il y a un problème, je vais regarder. Ensuite Duke et Poy. Et Poy qui passe Duke. Poy qui remonte à la 7ème place. Bien joué. Ensuite on a Jérémy. 8ème. Oula, Chavo. Comme une fusée. Belaudi. Fred. Avec la Nissan. Loul. Fabio. Ou Le Mans qui revient sur Fabio. Allez, Catman. Catman, il va falloir que tu t'arrêtes.
Et là derrière, t'as les furieux. Hein. Eric Lee. Eric. Oh Lee, t'as pas mis assez de carburant. C'est le dernier tour. Ah, ok. On va revenir sur Catman alors. Qu'on voit l'arrivée. Catman donne tout. Tout en glisse, Catman. Surveille les trajectoires. Ouais, ça y est, ça arrive. Ça, c'est une belle fin de course. Et puis en plus, Eric, il a une pénalité. Attention, dernière chicane. Bien prise, nickel. Ouais, bravo Eric. Ouais. Eric, là, il a beau freiner, mais non, ça passe pas. Thierry, quatrième. Ouais, bien. Bon, toi, tu comptes pas. Duke. Bravo Duke. Jeremel. Poi, huitième. Chavo. Carrie, neuvième. Bravo, ciao. Ensuite, on a Fred qui arrive. Dixième. Suivi de Loul. Fabio. Et Diabolo qui allait jusqu'au bout aussi.